Cette fois-ci, mes amis, ça y est, nous avons enfin fait condamner à mort ce fripon de Socrate. Dire qu'il a corrompu notre belle jeunesse. Je me disais, maintenant qu'on en a terminé avec lui, on pourrait pas aller se faire une petite orgie là, tous ensemble, non? Michel-Ange! Michel! Bah regarde! Ça fait un petit peu trop de pénis et de nibard là, quand même! Je comprends, Michel, mais c'est une chapelle, quoi! Alors bon, oui, c'est vrai, les prêtres, ils aiment bien tripoter les petits enfants et dilapider l'or de l'église en toutes les putes et les bordels de la ville! Mais quand même, tout le monde n'est pas obligé d'être au courant! Alors bon, là, Michel, tu vas me faire un petit effort et tu vas me cacher quelques verges! Parce qu'en plus, ça me donne des complexes! Messire! Messire! Ma gueuse de voisine a refusé de coucher avec moi! Elle m'a même dit que je pouvais aller me faire cuire le cul! Ah! La garce! Eh bien, mon bon, exigerais-tu réparation pour un tel affront? Ah oui! Oui, j'exige réparation! Mais dis-moi, le puant, ta voisine, aurait-elle un chat noir par tout hasard? Oui, elle a un chat noir, et alors? Eh bien, parfait! Tu peux déjà préparer le bûcher, Igor! Nous allons brûler ta voisine pour sorcellerie! Ça fonctionne toujours. Non mais what? Ils sont sérieux là? Non mais dans les journaux ils racontent partout que on torture des gens pendant la guerre d'Algérie. Et alors, c'est pas vrai? Oui bon oui c'est plutôt vrai quand même. Mais bon on avait juré croix de bois croix de fer qu'on ne dirait à personne. Alors bon là ce torchon là, eh ben tu vas me le censurer tout de suite. Et puis mais depuis quand les journaux ils disent la vérité maintenant? Merde! Et c'est pourquoi j'annonce, dès à présent, une limitation ainsi qu'une censure de tout Internet pour les habitants de ce pays. Croyez bien que je fais cela uniquement dans le but de préserver votre liberté. Bien. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Ah, vous là-bas? Bien. Soldat, veuillez exécuter ce perturbateur, s'il vous plaît. Voilà, merci. Bien. Est-ce que quelqu'un reprendra une part de liberté, peut-être? Non? Personne? Bah ça craque pas, tant pis. Alors, quelqu'un qui dit que le Covid ça va pas tuer tout le monde. Je censure. Quelqu'un qui dit que la pandémie va entraîner l'apparition de zombies. Oh, je valide parce que j'attends ça toute ma vie. Ensuite, et un homme qui explique comment attirer un enfant dans sa camionnette. Sûrement pour lui donner des bonbons. Bah je valide hein, parce que c'est super gentil. Surtout pour Halloween. Et alors, une femme qui montre ses seins sur le net, histoire de faire le buzz en disant que l'IVG c'est tuer des bébés. Et bah je garde, hein, c'est très intéressant comme tu es. Et pour finir, un suicide en live sur YouTube. Et bah ça je garde aussi, et je vais mettre en anglais pour regarder après. Pour finir, oh, quoi? Une généticienne mondialement connue qui pose des questions intéressantes sur un vaccin sorti au bout d'à peine un an? Ah bah ça, je censure, c'est une honte pour l'humanité.